Alors, je m'appelle Aurélien Géniou, je suis percussionniste et j'ai 23 ans. C'est né assez tôt parce que mes parents sont musiciens et jouaient au sein d'un orchestre alors que j'étais même pas encore né. Ça a été tout de suite la percussion. Le concert du primaire, et je me souviens avoir été déguisé, jouer de la caisse claire devant une salle en plein air. C'est mon premier souvenir de scène. C'était lors de la finale du concours de l'ARD à Munich. C'était avec l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, l'orchestre du Bayerisch Rundfunk de Munich, qui est un de mes orchestres absolument favoris. Et je me suis retrouvé à jouer avec eux en soliste. Donc ça, c'était un souvenir absolument incroyable. C'est du partage, un peu de folie et de la musique. Je pense que c'est le jazz, avec toute cette partie improvisation, tout ce côté sortir du cadre. Je vais rester sur le thème du jazz, un standard assez connu. Un jour mon prince viendra, mais une version jouée par Keith Jarrett, avec son trio mythique Gary Peacock et Jack DeJohnette. Une version incroyable. J'ai le droit de dire les percussions. Allez, les timbales. Ouais, j'ai eu un concert de reporté en Russie. Et je sais pas si ça va se faire, mais si ça se fait, je serais très heureux d'aller jouer là-bas.